Maintenant, répète, redis-lui, la lumière arrive. Les ténèbres vont fuir. Ok. Allons dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est comment récupérer ce que le diable t'a volé. Et pendant le message, je vais expliquer la différence entre le diable et Satan. Amen. Ok. Genèse chapitre 1. Le verset 1 à 5. Je crois que ceux qui sont en ligne, le texte paraît maintenant au bas des écrans et nous disons félicitations et bravo à notre équipe technique. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5. C'est un de mes textes préférés de la parole de Dieu. Nous lirons trois textes ce matin, un qui est moyennement long et les autres qui sont très courts. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5, est-ce que nous pouvons le lire ensemble? 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur les surfaces de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je proclame sur ta vie un premier jour. Je proclame sur ta vie un premier jour. Recevez un premier jour dans le nom de Jésus. Premier jour veut dire que Dieu fait un reset dans ta vie. Il te donne un nouveau départ. Recevez-le dans le nom de Jésus. Recevez-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxième texte sera Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Alléluia. Osée chapitre 4, le verset 6. Un texte très bien cité par la plupart des prédicateurs qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Troisième texte sera dans Proverbes chapitre 29, le verset 18. Proverbes 29, 18. S'il y a quelque chose qui manque pendant l'enseignement, vous pouvez toujours retourner en ligne pour pouvoir le suivre. Proverbes chapitre 29, le verset 18, la Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe ta loi. Amen. Comment récupérer ce que le diable nous a volé ou ce que le diable vous a volé? La première des choses que j'aimerais établir comme paramètre de cet enseignement, c'est que vous êtes victime de vol, mais vous ne le savez pas. Vous êtes victime de vol, pas d'un seul vol, mais de plusieurs vols, mais vous ne le savez pas. La bonne nouvelle, c'est que ce qui vous a été volé peut vous être restitué. Alléluia. Et voilà pourquoi nous rentrons avec ce texte de la Genèse, qui est pour moi une des plus grandes révélations que j'ai reçues dans la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu a vu que le monde était informe et vide, que la terre était un chaos, et Dieu pour régler, c'est assez impressionnant, parce que Dieu pour régler le problème de la terre, des ténèbres, du chaos qui existait, Dieu ne s'est pas mis au travail. Dieu a commencé par respecter le principe préliminaire qui amène à la restauration d'une vie. Dieu a prononcé une parole, et c'est une des plus puissantes dans la Bible, il a dit que la lumière soit. Amen. Il a dit que la lumière soit. Donc la création ne commence pas sans la lumière. La lumière est la base. Et cette lumière dont on parle, ce n'est pas le soleil. Est-ce que tu es avec moi? Ce n'est pas le soleil. Cette lumière dont on parle, c'est une lumière éternelle qui émane de Dieu, une lumière surnaturelle qui émane de la personne de Dieu. C'est la même lumière, en fait, qui éclaire la nouvelle Jérusalem, qui n'a pas besoin de soleil parce que Dieu lui-même est son soleil. C'est quand cette lumière apparaît que maintenant, Dieu peut commencer le principe de séparation de la lumière des ténèbres. Car tant que la lumière n'arrive pas dans ta vie,
Tu ne peux pas savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Beaucoup de gens marchent dans les ténèbres, mais ne le savent pas. Ils travaillent toute leur vie, mais ils sont dans les ténèbres, ils ne le savent pas. As-tu déjà conduit sur une autoroute et puis tes phares sont éteints? Tu vois, on va te demander, est-ce que tu conduis? Oui. Mais dans quelle direction? Tu ne sais pas. Et ce que Satan ne veut pas, c'est que l'Église parvienne à découvrir le mystère de la lumière, le principe de la lumière qui arrive dans les ténèbres et qui éclaire. Voilà pourquoi, lorsque les personnes viennent me voir pour la prière, je ne suis jamais pressé de prier. Pourquoi? Parce que je ne sais pas avec quoi je traite. Donc je commence d'abord par le principe de Dieu lui-même. Que la lumière soit. Car la lumière expose ce qui est caché. Tu peux être dans le mariage, vous avez tout le temps des combats. Tout est difficile. As-tu déjà demandé à la lumière de venir avant de lier? Le problème, nous, de nous là, à la peau d'ébène, on aime lier tout, incluant nous-mêmes. J'ai lié les ennemis de mon mariage, mais si l'ennemi de ton mariage c'était toi-même, tu t'es lié. Est-ce que tu es avec moi? Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne sur l'importance de la lumière. Sans la lumière, il est impossible d'avoir la vie, parce que la lumière apporte la vie. Sans la lumière, il est impossible de se diriger, car la lumière apporte la direction. Sans la lumière, il est impossible de vaincre le chaos, car la lumière apporte toujours l'ordre. Sans la lumière, il est impossible de produire la séparation, car la lumière est claire, alors on sait ce qui est bon de ce qui est mauvais. La vie, tu sais, quand tu es jeune, la vie est simple, hein? Mais quand tu grandis, tu commences à faire face à des problèmes complexes dans lesquels il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Toutes les solutions peuvent être mauvaises comme toutes les solutions peuvent être bonnes. Mais c'est quand la lumière arrive. Et je voudrais demander à nos jeunes gens, écoute-moi très bien, ta vie sera sauvée. Les choses que j'enseigne aujourd'hui, si nous le savions, nous les adultes, aujourd'hui, certains seraient des présidents de pays. Si nous le savions, aujourd'hui, certains n'auraient évité d'avoir des enfants au mariage. Certains auraient évité de vivre d'une vie de pauvreté. Si nous le savions, l'ignorance produit la souffrance. Mon peuple souffre parce qu'il est ignorant. Et la première chose qui brise l'ignorance, c'est quand la lumière de la révélation de Dieu arrive. C'est quand la lumière de la connaissance de Dieu arrive. Alors ce matin, je t'en prie, surveille ton voisin, assure-toi qu'il ne dort pas. Si tu l'aimes, de l'amour de Christ évidemment. Alléluia. Sans la lumière, il est impossible de savoir ce qui se passe. Parce que la lumière apporte la connaissance. Quand il n'y a pas de lumière, vous pouvez chercher. Quelqu'un me disait hier, oh pasteur, je l'avais dit, ah, mais j'aimerais qu'on aille manger au restaurant. Et puis la personne me dit, mais pasteur, tu sais, il y a un restaurant où j'aimerais qu'on aille. C'est quel type de restaurant? Je demande, il dit, c'est un restaurant où on mange dans le noir. Je dis, non. Non, tu ne peux pas savoir ce que tu manges. Comment tu auras même le goût? Parce que manger, ce n'est pas seulement mettre dans la bouche. On mange avec les yeux. Parce que pour manger, il faut que tes yeux désirent, ou pour d'autres personnes qui ont beaucoup mangé, que tes yeux convoitent. C'est là que ton estomac s'ouvre. C'est vrai ou c'est faux? C'est pour ça que manger sans voir ce que tu manges, en fait, tu vas te rassasier, mais tu auras toujours ton appétit n'est pas satisfait. Parce que c'est la beauté de la nourriture qui satisfait l'appétit. La preuve, tu peux aller quelque part, tu sens seulement l'odeur, tu es rassasié. Dans certains endroits, ils font comme ça. Tu vois, il n'a pas mangé, il s'est rassasié seulement. Pourquoi? Parce que ce qu'il sent et ce qu'il voit édifie son estomac. Amen. Sans la lumière, il est impossible de voir le danger. La lumière nous permet d'échapper au danger. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière est un principe déterminant pour marcher dans la victoire. Voilà pourquoi quand Jésus parle de lui-même, Jésus dit ceci dans Jean chapitre 8, le verset 12. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Retenez très bien ce que Jésus dit. Il dit que
Je suis quoi? La lumière? Bon, vous ici, je viens à vous. Il dit, je suis la lumière? Ah, bon, je viens à vous maintenant. Il dit, je suis la lumière? Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura un certain type de lumière. Ce n'est pas le soleil. Il aura un certain type de lumière. Mettez-moi le texte à l'écran, s'il vous plaît. Il dit qu'il aura la lumière de vie. Amen. Jean, chapitre 8, le verset 12. Il dit que celui qui le suit aura un type de lumière qui emmène à lui, en lui, la vie. Parce que toutes les lumières que tu vois ne sont pas les mêmes. Amen. Je suis en train de mettre mes concepts pour que quand on va décoller tout à l'heure, la lumière va venir maintenant. Quand elle va venir, la première des choses que la lumière produit, c'est la repentance. Les meilleures prières au monde, je vais vous les dire, c'est les prières de repentance. Celui qui maîtrise la prière de repentance, c'est un homme que le diable ne peut plus lier. Parce que le diable n'a pas peur de ta confession. Le diable a peur de ta repentance. Amen. Si tu n'étais pas là, va au message de la semaine passée. Le diable n'a pas peur de ta confession. Ta confession fait que Dieu te pardonne, mais ça ne veut pas dire que Satan n'a pas un droit sur toi. C'est ta repentance qui lui enlève le droit sur toi. Donc voilà pourquoi nos églises sont pleines de gens qui font des confessions, mais dont les vies ne changent pas parce qu'ils ne parviennent jamais à la repentance. Satan va toujours s'arranger que tu ne parviennes pas à la repentance. Reçois-le. Reçois cette révélation. C'est ça la lumière de vie. Tu vois? Les choses ne changent pas parce que les gens sont spécialistes à confesser, mais c'est des amateurs à se repentir. Lorsqu'on parle de lumière, il y a trois types de lumière. Premièrement, eh bien, il y a la lumière physique. La lumière qui éclaire ici. Donc, quand on parle de lumière physique, on parle de lumière du soleil. On parle de lumière artificielle, comme les spots sous lesquels je suis. Et ainsi, lorsque quelqu'un est éclairé par ce type de lumière, la Bible parle de cet homme-là. Ésaïe chapitre 42, le verset 9 nous dit « Qui est aveugle sinon mon peuple ?» Sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ? Ésaïe 42, le verset 19. Quand on marche dans notre vie, simplement à la lumière du soleil, on est comparable à un aveugle. Ça veut dire quoi ? Quand votre vie est conduite juste par votre intellect, par votre cerveau, tu vois, c'est là que ta vie sera un mystère pour toi. Regardez, je vais vous aider. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont réussi dans la vie. Quand Dieu les regarde comme un échec. Parce que si tu savais originellement ce que Dieu avait pour toi, et tu te regardes ce que tu es maintenant, tu vas réaliser que tu n'es pas à 10%. Ouais. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, il commence à réussir un peu dans la vie, il abandonne Dieu. Le diable rit, il dit, tu es un ignorant. Parce que tu ne sais pas ce que tu as, ce que tu es supposé devenir. Tu as fait un pas, tu as vu une Mercedes et tu penses que tu es parvenu dans la vie. C'est pour ça que tu vois les gens, ils ne veulent pas servir Dieu. Il dit, mais ma femme est bien, mes enfants sont bien. Pourquoi je vais servir Dieu? C'est pour les pauvres. Non, c'est pour ceux qui marchent dans la lumière. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de la lumière naturelle. Ils ont besoin de la lumière qui vient de Dieu. Voilà pourquoi tu vois des gens, ils ne peuvent pas venir à l'église. Ils viennent à l'église une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Et c'est comme s'ils ont fait un privilège à Dieu. C'est la preuve que tu marches dans les ténèbres. Parce que quand tu marches dans la lumière, tu comprends que tu as besoin d'être enseigné à tous les dimanches. Tu as besoin d'être édifié, tu as besoin que Dieu puisse te visiter. Mon peuple est aveugle parce qu'il marche avec la lumière naturelle. Ézéchiel dit la même chose. Ézéchiel chapitre 12, le verset 2. On est dans l'enseignement, donc il faut que Dieu te donne la grâce de suivre. Amen. Si tu as de l'eau à côté de toi, tu bois de temps en temps pour rester requinqué, comme on dit. Ézéchiel chapitre 12, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille rebelle qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille rebelle. Avoir des yeux ne veut pas dire qu'on voit.
Amen. Avoir des yeux ne veut pas dire qu'on voit. Tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qui est. Et tout ce qui est n'est pas tout ce qu'on voit. Oh, ça c'est profond. Hein? Tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qui est. Et tout ce qui est n'est pas tout ce qu'on voit. C'est pour cela que tu as besoin de lumière. Sans la lumière, ta vie, tu vas aller dans la tombe. Et quand tu vas arriver même au ciel, tu seras choqué. Dieu te montrera ce que tu étais supposé être. Tu sais, Jacob, il était appelé à être un prince, hein, mais toute sa vie, il a travaillé comme un domestique. Ah, là, ça commence à, maintenant, tu commences à comprendre ce que j'essaie de dire. Mon but, c'est que tu puisses atteindre 100% de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il est possible d'inverser ta courbe. Il était possible d'inverser la manière dont ta vie a été. Je te dis ça parce que j'ai été à l'école de la souffrance. J'ai gradué, j'ai un doctorat. Donc, il y a des messages comme ça que je peux prêcher sans note, quoi. Moi-même, je suis le message parce que j'ai vécu des choses. Mais j'ai appris avec Dieu ce que je t'enseigne. Deuxième type de lumière. OK? Premier type, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière physique ou la lumière naturelle. Beaucoup de gens marchent à cette lumière. Tu vois? Un garçon veut marier une fille. Il regarde la fille selon la lumière naturelle. Mais tu ne sais pas que peut-être la personne s'envole la nuit. Bon, on va dire, une fille regarde un garçon. Oh, hier j'ai discuté avec une jeune fille. C'est quoi tes critères pour un homme? Grand, beau, serviteur de Dieu. Vous savez les critères généraux de... Hein? Six-pack, bon, ça ne peut pas manquer. Oui, tu le regardes comme ça, avec la lumière naturelle. Mais cette lumière ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu sais combien de gens se sont mariés et puis se sont aperçus que la princesse avait marié le domestique? Que vous n'étiez pas de la même espèce spirituelle? Voilà pourquoi vous ne parvenez pas à vous reproduire. Vous pouvez avoir des enfants, mais avoir des enfants ne veut pas dire se reproduire. Comment? Ouais, avoir des enfants, c'est enfanter. Mais se reproduire, ça veut dire que l'enfant qui est né de toi là, il devient meilleur que toi. Là, vous avez mis au monde une espèce hybride. Que Dieu t'ouvre les yeux. La miséricorde de Dieu, je prie qu'elle t'ouvre les yeux, qu'elle t'aide. Que la souffrance que l'on entend au milieu des enfants de Dieu s'arrête. Des gens qui chantent des choses, mais qui ne voient pas dans leur vie la réalité de ce qu'ils chantent. Et tout le monde est devenu dans un évangile où on dit, ça va venir demain. Regardez, n'êtes-vous pas fatigué, ça va venir demain. Moi, je veux que ça vienne maintenant. Deuxième type de lumière. Je pense que ça va apparaître à nos écrans. C'est la lumière Da'at. Voilà, ça apparaît à nos écrans. La lumière Da'at. OK? Tu vois, dans Osée chapitre 4, verset 6, quand on dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance », c'est le mot hébreu Da'at. C'est ce qui détruit le peuple. Ce n'est pas le diable. C'est l'ignorance du peuple. Amen. Tu es avec moi? OK. Da'at, en fait, veut dire, c'est le mot discernement, compréhension, sagesse. Si le peuple est détruit, c'est parce que le peuple manque de discernement, de compréhension et de sagesse. Donc, basé sur ça, on peut comprendre que le discernement, la compréhension et la sagesse sont des formes de lumière. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis-moi, dis amen. Tu vois, le discernement, la compréhension et la sagesse sont des formes de lumière. Donc, au lieu de prier Dieu d'être intelligent, prie Dieu d'avoir du discernement. Tu vois, l'intelligence t'aide à réussir un examen à l'école. Le discernement t'aide à réussir l'examen de la vie. Tu vois beaucoup de gens, tu les regardes, tu vois la jeune fille intelligente à l'école, mais tu vois un simple garçon déjouer la fille intelligente à l'école. Pourquoi? Elle a l'intelligence de l'école, mais n'a pas l'intelligence de la vie. Un jour, j'étais au Kenya, et puis on m'a amené en safari, je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire.
Et puis, je ne vois pas de lion. Et là, on est en safari dans une petite voiture normale. Et quelque chose me dit, mais comme tu ne vois pas le lion, sors de la voiture, mets-toi debout comme ça, tu vas voir le lion. Au moment où je me prépare à sortir, mon discernement a dit, peut-être que le lion t'a déjà vu. Parce que tout ce qu'on voit n'est pas ce qui est. Aïe, 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 aïe. Et tout ce qu'on ne voit pas n'est pas nécessairement là. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, peut-être que le lion m'avait déjà vu, et moi, je n'avais pas encore vu le lion. L'intelligence de la vie m'a dit, reste dans la voiture. L'intelligence de la vie peut te dire, arrête de fréquenter telle personne. L'intelligence de la vie peut te dire, déménage. Le peuple est détruit parce qu'il a trop de cerveau et pas l'intelligence de la vie. Le discernement. Voilà pourquoi tu vas entendre souvent dans la Bible, le psalmiste qui prie dit « Accorde-moi la sagesse et le discernement. » L'intelligence sans le discernement, c'est comme si tu as un moteur mais tu n'as pas les roues. La sagesse te permet d'appliquer l'intelligence. Et le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas l'intelligence. C'est qu'ils n'ont pas de discernement. Donc ils sont détruits parce qu'ils ne savent pas reconnaître un ami d'un ennemi. Tout ce qui mange avec toi n'est pas ton ami. Tout ce qui rit avec toi n'est pas ton ami. Tu vois, il y a des gens, si tu veux qu'ils trahissent quelqu'un, appelle-les chez toi, donne-leur un peu de nourriture, ils vont trahir tout le monde. Donc toi, tu ne vaux pas cher, quoi. Dis amen. C'est très simple. Partir une rébellion, c'est simple. Appelle quelques personnes chez toi, nourris-les constamment. Tu vas voir tranquillement, la nature de traître va remonter. Tout ce qui mange avec toi n'est pas ton ami. Judas mangeait avec Jésus. La lumière d'Ahat, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle t'éclaire, elle te donne le discernement. Tu vois? Le discernement. Le discernement fait que... Comment s'appelle la jeune fille? C'est Dina? Dina. Alors que Amnon l'appelle dans la chambre, le discernement... Tamar. Alors que Amnon l'appelle dans la chambre, va me servir, le discernement doit lui dire, frère, tu es un peu zélé, hein? Mais comme elle n'a pas de discernement, malgré qu'elle est la fille du roi, malgré qu'elle a la meilleure éducation, elle suit comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Jeune fille, que Dieu vous donne le discernement. De savoir qu'à un moment donné, quand on te dit, on va causer derrière la voiture là qui fait 23 heures. Non, je ne viens pas. C'est le temps de courir. Donnez-moi amen les jeunes. Donnez-moi amen les jeunes. Le discernement. Le discernement fait que, oh non, mais je vais te goûter et puis je vais te marier après. Non, frère, marie-moi et puis goûte-moi après. Je ne suis pas à usage unique. Le discernement permet à quelqu'un de survivre dans la vie, de rire avec quelqu'un tout en sachant que c'est un ennemi. Le discernement. Jésus savait qui était Judas. Beaucoup de gens n'ont pas de discernement. La lumière d'Ahat n'est pas dans leur vie. Ouais. Votre problème, ce n'est pas tant le diable. Tu manques de discernement. Tu vois, on te regarde, tu es joli, mais tu n'as pas de discernement. Tu n'as pas sagesse. Sagesse fait que même quand tu casses avec un garçon, tu casses propre. Parce que peut-être tu vas marier son ami. Mais toi, quand tu casses, toi, quand tu casses, tu insultes le papa, tu insultes la maman, tu insultes les amis, tu insultes le pays. Ah, il ne te reste plus rien. Tu peux casser avec quelqu'un avec tellement de classe que lui-même il t'applaudit. Lui-même te recommande. Parce que casser avec quelqu'un ne veut pas dire que demain tu n'auras pas besoin de lui. Le discernement. Le discernement te permet de savoir qui est la bénédiction. Le discernement te permet de savoir ici qui porte le manteau de la bénédiction et de savoir comment lui parler. J'ai quand des gens parlent au pasteur fier. Quand tu parles, je reste là, je dis, Seigneur, ferme le ciel sur sa vie. Le discernement. Le discernement. Jeune fille, vous avez besoin de discernement. Le discernement fait que tu ne tombes pas enceinte avant le mariage. Donnez-moi un amen. Et puis, vous avez des masques, donc je ne peux pas voir ta bouche. Ah. Tu es avec moi. Ok. Troisième type de lumière. C'est la lumière, je vais essayer de le prononcer,
Chauzon. Troisième type de lumière. Tu vois? La Bible ne parle pas au hasard. Et je les prends des textes que nous avons lus. Qu'est-ce qu'elle dit? Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La raison pour laquelle il y a des gens qui fonctionnent comme des voitures qui n'ont pas, ou des camions qui n'ont pas de frein, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Qu'est-ce que c'est que ce type de révélation dont la Bible parle? Elle parle de... Ce n'est pas la vision dans le sens que je veux voir la vision pour l'Église. Elle parle là où la vision dans le sens où la Bible dit qu'au temps du prophète Samuel, parce que c'est le même mot qui est utilisé, les visions étaient rares. Ça veut dire quoi? Elle parle de la révélation de Dieu. Ok? Elle parle de la révélation de Dieu. Elle parle des oracles de Dieu. Elle parle des prophéties. Donc, pour ceux qui prêchent, pour ne pas faire une entorse au texte, il faut vraiment qu'on en parle dans ça. Parce que quand l'évangile du leadership est venu, on a commencé à utiliser ce texte-là à tort et à travers. Ici, on parle plus de la lumière comme étant le réma de Dieu. Une parole que Dieu donne pour un certain type de circonstances ou des événements qu'on vit. Amen. C'est là maintenant que tu as besoin de cette lumière. Tu as une situation. Est-ce que je dois appliquer ici ou là? Tu as essayé d'utiliser la lumière d'Ahat. La lumière d'Ahat n'est pas claire. Alors là, tu commences à consulter Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que parle-moi sur cette situation. C'est là que, soit par la lecture de la Bible ou par la consultation avec un homme de Dieu, tu reçois un réma de la part de Dieu qui est une parole précise pour ce que tu es en train de vivre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont ignorants, ceux qui ignorent ces choses, c'est eux qui vont être les victimes du diable. Amen. C'est eux qui vont être les victimes du diable. Pourquoi? La meilleure tactique du diable, le diable, c'est quand tu le comprends. Tu vois, beaucoup de chrétiens, ils étudient les anges, ils étudient... Mais peu de chrétiens s'arrêtent pour étudier le diable. Il est très intéressant à étudier. Tu vois, quand tu étudies le diable, ça beaucoup, là, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là? Parce que, comme Jésus arrive, et il dit lui-même qu'il est la lumière du monde, eh bien, le diable est le prince des ténèbres. Et le but du diable, c'est d'aveugler les gens. Quelqu'un dit Amen. C'est d'aveugler les gens. La plupart des choses que vous voyez même à la télé, si ça, c'est une façon d'aveugler les gens. Tu vois? Que les gens marchent, mais à la lumière de leur cerveau. Or, ton cerveau ne peut pas voir loin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 à 4. Et je te prie, quand tu es à la maison, revois l'enseignement. Okay? C'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Mon but n'est pas de t'exciter, mais d'abord de t'enseigner. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Paul dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, donc qui? Le Dieu de ce siècle, en d'autres termes. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alors, là maintenant, nous constatons que Christ dit qu'il est la lumière. Mais le diable, il est le Dieu de ces siècles. Comment il est devenu le Dieu de ces siècles? Il est devenu quand Adam lui a cédé le contrôle du monde. Amen. Donc c'est pour cela que même quand il vient dire à Jésus, tu vois tout ça là, tous ces royaumes ils sont à moi, Jésus ne l'a pas contesté. Parce que Jésus reconnaît, oui ça t'appartient. Alors ce que j'essaie de te dire ici, on a parlé des lumières, mais maintenant je te parle que le diable, sa technique principale, c'est de faire deux choses. Première des choses, c'est de t'aveugler. Deuxième des choses, c'est d'éteindre ta mémoire. Ouais. Il t'aveugle. Il t'emmène sur un chemin, et puis après ça, il éteint ta mémoire. Comme ça, ce que tu avais fait de mal, tu ne t'en souviens plus. Tu vois? Et c'est souvent, quand on arrive dans des sessions de délivrance, que c'est maintenant, la première des choses que je fais, dans une session, premièrement, je prie que la lumière vienne. Deuxièmement, je prie maintenant que la mémoire s'ouvre. Oh, mais c'est étonnant ce qui sort déjà. Hein? On dit, oh, il y a tel événement, je ne me souviens pas.
Tu vois, il y a tel événement, je ne m'en souviens pas. Telle affaire, je ne me souviens pas. Pourquoi? Parce que le diable éteint la mémoire. Beaucoup de gens marchent dans les ténèbres, mais ils ne le savent pas. Lorsque vous marchez dans les ténèbres, qu'est-ce qui vous arrive? Il vous arrive maintenant, Jean 10, 10. Qu'est-ce que Jean 10, 10 nous dit? Oh, je suis fier de toi. On va acclamer pour notre maman quand même. On va acclamer. Tu vois, quand quelqu'un peut citer Jean 10, 10 comme ça de mémoire, ça veut dire que tu as déjà traité avec le bonhomme de Jean 10, 10. Jean 10, 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le but de Dieu, c'est que dans notre vie, que la lumière soit. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi amène les ténèbres. Pourquoi? C'est quand il amène les ténèbres maintenant qu'il peut faire son meilleur travail. Quel est son travail? Dérober, égorger, détruire. C'est tout. J'ai aimé un serviteur de Dieu qui disait un jour, il dit, même quand Satan te dit la vérité, il a menti. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Donc je t'explique. Satan veut emmener les ténèbres. Une fois que la noirceur est là, les ténèbres sont là, et ces ténèbres dont je parle, ce n'est pas les ténèbres seulement de la noirceur physique, c'est l'aveuglement de l'intelligence. Et quand il a emmené ça, maintenant, il peut passer à l'étape suivante de commencer à piller ta vie, de commencer à t'égorger, à t'étouffer. Tu avances dans la vie, tout est difficile. Pourtant, je te dis, la plupart des enfants, tu regardes, il était jeune, tu regardes, l'enfant est brillant. Tu regardes le même enfant 20 ans plus tard, tu te demandes, est-ce qu'il est sorti de moi? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. Pourquoi? Parce que l'ennemi est passé. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit encore, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Il dit, afin, 2 Corinthiens 2, 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que vous êtes avec moi? Car nous n'ignorons pas ses desseins. Pourquoi? Satan a le projet de te plonger dans les ténèbres. Satan peut plonger tout un pays dans les ténèbres. Quand tu vois un pays, tout est chaotique, c'est parce qu'ils ont été plongés dans les ténèbres. Quand tu vois une église, vous battez entre vous. Personne ne peut se dire, mais oh frère, arrêtons un peu, on est dans le même royaume. Comment ça se fait que chez nous, c'est tout le temps la guerre? C'est parce que Satan peut plonger toute une église dans les ténèbres. Ouais. Vous avez la Bible en main, vous chantez, mais l'église est chaotique parce qu'on vous a plongé dans les ténèbres. Mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Lorsque cela arrive, est-ce que ça vous bénit? Ok, maintenant on va rentrer maintenant dans le gras maintenant. Ok? Lorsque cela arrive, il vous arrive maintenant, et beaucoup de gens sont comme ça, réveille-le. Oui, réveille-le. C'est ça. Il faut écouter, il ne faut pas dormir. Tu en auras besoin. Ecclésiaste chapitre 5, chapitre 10, le verset 5 à 7. Enfin, je t'explique la vie. Ma soeur, je t'explique la vie. Tu vois, lorsque tout ça se passe, voici ce qui arrive aux gens maintenant. Regarde, il dit ceci. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des richesses et des riches sont assis dans l'abaissement. Regarde l'erreur de la vie. Tu vois, lorsque les ténèbres arrivent, les gens qui sont supposés être riches sont pauvres. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Ensuite, il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes, donc ceux qui sont supposés être riches, ceux qui sont supposés être prospères, ceux qui sont supposés être bien. Il a dit, j'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ok. Tu vois, beaucoup de gens, au départ de leur vie, quand Dieu les envoie sur terre, vous êtes envoyés comme princes. Tu n'as pas dit amen? Quand Dieu les envoie sur terre, Dieu les envoie avec tant de bénédictions, avec la richesse, avec la prospérité. Dieu ne t'envoie pas dans le monde comme un échec. Dieu t'envoie béni dans le monde. Amen. Dieu envoie certaines personnes comme des écrivains. La preuve que quand tu regardes l'enfant quand il est petit, quand il écrit, c'est comme il écrit comme un adulte.
Le même enfant, tu le regardes à 18 ans. S'il écrit trois phrases sans faute d'orthographe, c'est que ces jours-là, c'était Noël et Bonne Année en même temps. Pourquoi? Parce que le long de son parcours, il s'est passé ce qui est arrivé dans le livre d'Ecclésiaste. Les riches qui étaient à cheval ont commencé à marcher à pied. Et les princes qui étaient supposés être à cheval. Qu'est-ce que c'est que le cheval? Le cheval est un symbole de puissance, est un symbole d'accélération, donc d'atteindre vite un objectif. Les choses qui devaient être faciles pour toi deviennent difficiles. Ok? D'accord. Maintenant que la table est mise, ok? Pour les minutes qui viennent, je vais vous montrer comment Satan opère pour amener les gens là. Tu es avec moi? Une des méthodes dans lesquelles Satan opère pour emmener les gens là, c'est très simple. Satan n'a pas beaucoup d'outils. Il n'a pas beaucoup d'outils. C'est tout ce que Satan va faire. Il va faire une transaction avec toi. Parce que si tu lis bien la Bible, la spécialité de Satan, c'est les transactions qu'il fait avec les gens. Et beaucoup de gens volontairement vont faire des transactions avec lui. La plupart d'entre nous, nous avons fait des transactions. C'est pour cela que les princes, qui sont supposés être à cheval, marchent à pied. Les riches, qui sont supposés être dans les palais du roi, sont devenus des domestiques. Le but de Satan, c'est d'inverser tout ça. Quand tu regardes ta vie, tu vas constater beaucoup d'anomalies. La plupart, le rythme dans lequel la société fonctionne, on ne s'arrête jamais pour juste observer notre vie, juste observer des anomalies. J'ai fait cet exercice avec plusieurs personnes qui témoignent des changements qui se sont opérés. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan va venir et la seule chose qu'il peut t'offrir, c'est le péché. La seule chose que Satan peut t'offrir, c'est le péché. Mais c'est le péché réemballé et présenté de façon honorable et respectable. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de la part de Dieu pour que les transactions que tu as commencé à faire là, tu les arrêtes. Parce que le péché donne à Satan un droit sur ton héritage. Le péché donne à Satan un droit sur ton héritage. C'est parce que nous n'avons pas la révélation de ce que le péché est que nous avons la facilité à pécher. Amen. Non, je disais amen à moi-même. Vous êtes excusés des amen à partir de maintenant. Tu vois, c'est que la première tactique de Satan, c'est de te présenter le péché comme étant une bonne chose. Tu vois, dans les jardins d'Éden, il n'est pas venu dire que le fruit était mauvais. Il a présenté ça dans différents angles, jusqu'à trouver un angle qui convenait à Ève. Et la Bible dit que la... Bon, je n'aime pas dire la femme, pour ne pas attaquer nos sœurs encore. Mais Ève a vu que le fruit était beau et qu'il était bon. C'est les deux objectifs poursuivis par l'ennemi. De te présenter une chose dans différents angles jusqu'à ce qu'on ait un angle qui te convienne. Et que toi-même, maintenant, tu commences à faire une transaction avec lui. Le péché, en fait, en lui-même, il a deux aspects. Ok? Est-ce que tu es avec moi? Ok. Il a deux aspects. Le premier aspect du péché, c'est l'aspect transactionnel. Ça veut dire, vous savez, comme on va au marché. Si tu veux acheter 20 pommes, est-ce que tu arrives, tu prends les pommes et puis tu fouilles? Comment on va t'appeler? Un voleur. Donc, toi, tu veux une chose et le vendeur te vend une chose. Ben, si on est dans certains endroits, tu vas voir que les pommes qui sont bonnes, c'est seulement les pommes qui sont au-dessus. En dessous, c'est discutable. Donc, tu arrives et puis tu dis, je voudrais acheter 20 pommes. Et puis, tu donnes la somme qu'on te demande et puis on te donne en retour les pommes. N'est-ce pas? Donc, ta richesse diminue, mais ton bien-être augmente. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Donc, une fois que vous avez fait cette transaction-là, voici le deuxième aspect du péché. C'est que le péché a un aspect maintenant légal, parce que la transaction a été faite. N'est-ce pas?
Vous avez fait la transaction, je t'ai donné mes pommes, toi tu as pris mon argent, donc ça veut dire légalement, nous sommes liés l'un à l'autre par un contrat que nous avons signé même de façon verbale, parce que nous étions d'accord. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Donc, quand Satan vient, il te présente le péché. Il te le présente bien. Il dit, tu as vu frère un tel, il est juteux, hein? Ou première fois, tu dis, au nom de Jésus, sors de ma tête. Tu pries. Pendant que tu es en pleine prière, le frère apparaît en vision encore. Regarde le frère, comment il prêche bien. Au nom de Jésus. Mais une des choses que vous ne savez pas de Satan et de ses démons, ils sont persistants. Donc, on va te le présenter de différentes manières. Et puis, un jour, tu étais en colère. Et puis, on dit, voici le moment. Lui, c'est un colérique. Donc, quand il est colérique, là, il agit sur impulsion. On te représente la même chose. Au moment où toi, tu t'en vas commettre ton péché, tu l'as commis, non? Ça t'a fait du bien. Oui ou non? Non, certains péchés font du bien, soyons honnêtes. Tu t'es fait du bien, tu t'es défoulé. Mais Satan ne t'a jamais dit ce qu'il allait prendre dans ta vie. C'est ça le problème de la transaction. C'est ça le problème. Quand la Bible dit qu'il vient pour égorger, tuer là, il ne te dit pas ce qu'il prend. Il n'a jamais dit à Ève et à Adam que pour un fruit que vous mangez, j'allais prendre votre royaume. Ok. Ah, je pense que ça commence maintenant. Vous voyez là où j'allais avec vous. Ok. Là maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait comme transaction qui t'a coûté ton intelligence, ta richesse originale que Dieu t'avait donnée? Je ne parle pas que des péchés sexuels. Je vais vous le démontrer dans quelques moments. La plupart des gens font des transactions et vendent leur héritage sans même se rendre compte. Parce que l'ennemi ne te dira jamais ce qu'il va prendre en retour. Tu vas juste le constater dans ta vie, certaines anomalies commencent à arriver. Si tu es un observateur, c'est pour cela que tu vas voir qu'on vit dans une société où le péché est glorifié. On te dit que ça va te faire du bien, mais on ne te dit pas ce que ça va te coûter. Ouais. On te dit que ça va te faire du bien, mais on ne te dit pas ce que ça va te coûter. Et donc, quand tu commets ce péché, quand tu commets le péché, tu fais une transaction spirituelle. Tu donnes un peu de ce, tu donnes de ce que tu as et on prend de ce que tu as. Et si tu commets de façon répétitive, au plus tu commets, au plus on soustrait. C'est comme ça que tu trouves des gens qui devraient être loin dans la vie, ils ne sont pas loin. Le péché, péché du vol, mensonge, désobéissance, rébellion, fornication, association des malfaiteurs, faux documents, ouais. Jalousie, envie. Et comme la révélation de la repentance n'a pas été enseignée dans l'église, tu as des gens qui confessent, mais l'ennemi tient toujours ce qui était à toi. Dis-moi, ton péché là, il te coûte combien exactement? Le petit film là que tu regardes dans ton ordinateur, il te coûte combien? Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu es en train de regarder la pornographie, tu crées un lien de l'âme avec les actrices dans le film et les acteurs dans le film. Maintenant, ils peuvent télécharger leur malédiction en toi. Ouais. Le mensonge là, il te coûte combien? Combien exactement nous coûtent nos péchés? Combien ça nous coûte? Dis-moi, ta colère là, elle te coûte combien? Tu vois, ça c'est la partie dans le message où il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite, il faut juste regarder devant et respirer normalement. Combien ça te coûte exactement? Le jour où Dieu m'a révélé ça, j'ai commencé à trembler moi-même. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que tu te rends compte que tu devrais être beaucoup plus loin, beaucoup plus avancé, beaucoup plus stable. Mais tes transactions, je vous pose la question, ok. On s'assied avec quelqu'un, on dit, ok, combien de partenaires tu as eu dans ta vie? Et combien de liens de l'âme tu as créé? Ouais. Laissez-moi vous donner des exemples bibliques, ok? Donc, je disais que quand l'ennemi vient, il fait la transaction avec toi.
Dès que toi, tu as accepté la transaction, maintenant, il s'en va au parquet du ciel. Il dit, en passant, je sais que vous avez envoyé frère ou sœur X, Y, je ne citerai pas de nom parce que c'est la partie un peu difficile du message. Vous avez envoyé sœur X, X, Y avec, dans son héritage, il y avait un paquet de donnez-moi un nom de quelque chose. Tout le monde est nerveux. Dans son héritage, il y avait, je ne sais pas moi, voilà, un grand ministère de chant. Ok, mais en fait, dans la transaction qu'on a fait là, comme elle a pris le péché que je lui offrais, moi, en échange, je rentre dans sa destinée. Hé, frère, je prends le ministère de chant. C'est comme ça que tu vois des gens qui ont du talent, mais qui ne percent pas. Le péché coûte très cher. Toi, tu penses qu'on fait la publicité à la télé pour rien? C'est des instruments du diable qu'il met pour nous pousser dans une direction et supprimer des choses dans notre destinée. Si tu ne me crois pas, observe ta vie. Regarde-toi quand tu avais 5 ans, 6 ans. Et regarde ce que tu es. Tu penses que tu as réussi, tu n'es même pas arrivé à 10% de ce que Dieu avait préparé pour toi. Le diable te fait croire que tu es arrivé. Il dit, regarde, malgré ta vie d'impudicité, tu as quand même un bon salaire. Ce n'est pas le salaire que tu es supposé avoir. Ça, c'est le salaire de ton assistant que tu as. Donne-moi un amen ce matin. Donne-moi un amen vivant ce matin. Dis à Dieu, parle-moi encore plus. Révèle-moi. Dis à, tu sais, il y a des bonnes prières. Je vais te dire un autre type de prière. Tu vois, il y a des prières que tu dois prier comme ça régulièrement. Seigneur, mets sur moi la conviction du péché. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conviction du péché. Leur conscience est blindée. Prie Dieu, mets sur moi la conviction du péché. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est beau ne donne pas la vie. Je vais vous donner des exemples bibliques. Quand Adam et Ève ont fait la transaction avec le diable, quel a été le prix qu'ils ont payé? Aidez-moi. Qu'est-ce que ça leur a coûté? Numéro 1, ils ont perdu la gloire de Dieu qu'ils transportaient. Car la Bible dit qu'ils étaient nus, mais en réalité, c'est le vêtement qu'ils portaient, c'était la gloire de Dieu. Deuxième chose, ils ont perdu l'autorité sur la terre. Il y a des gens que Dieu devait établir dans des gouvernements qui sont assis dans les bancs ici. Le péché coûte cher. Tu sais, j'ai discuté avec quelqu'un hier. Vous pensez que quand tu fais commettre le péché, Satan a envie qu'on t'attrape. Vous voulez savoir mon point de vue? Satan ne veut pas qu'on t'attrape. Ça l'arrange. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas croire que tu es malin. Donc tu vas continuer. Au plus tu continues, au plus il supprime dans ta vie. Ouais. Quand on t'attrape, là, ça ne l'arrange plus parce que là, maintenant, tu vas commencer à pleurer, tu vas te repentir, tu vois. Parfois, c'est Dieu qui va s'arranger que, bon, il faut t'arrêter là parce que ton héritage, tu avais 100%, tu es rendu à 10%. Combien te coûte ton péché? Combien te coûte ta médisance? Combien te coûte ta calomnie? Combien ça te coûte? Quel est le prix que tu es réellement en train de payer? De penser que ton problème, c'est les sorciers, le seul sorcier de ta vie, c'est toi-même. Que la lumière soit ce matin. Que la lumière soit sur ta vie. Pendant que je prêche, il faut que Dieu jette la lumière sur ta vie. Ils ont perdu. Ok, je vous donne un autre exemple. Abraham, Dieu lui dit, tu seras le père d'une nation, n'est-ce pas? Il dit, et ta descendance, car l'apôtre Paul parle d'une seule descendance, c'est-à-dire Christ, sera béni, n'est-ce pas? Mais un jour, tantine Sarah en avait marre d'attendre après Dieu. Vous savez, comme quand une sœur arrive à un certain âge, elle devient nerveuse. Alors elle préfère être mariée n'importe comment, mais à quand même avoir une bague. Moi, je dis, parfois, ton bonheur, c'était avant le mariage. Tu vois? Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il me faut absolument avoir un enfant. À n'importe quelle méthode qu'on va utiliser. Ok, ils s'en vont avoir l'enfant, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont obéi à Dieu ou désobéi? Ok, et quelle est la conséquence? L'héritage d'Abraham a été partagé entre le fils que Dieu avait pour lui et Ismaël,
que Dieu n'avait pas prévu. Oh, le péché, ça coûte cher. Ce n'est pas si gratuit que vous pensez. Pour 5 minutes de plaisir que tu as derrière une voiture là, le prix que tu payes, c'est trop cher. C'est trop cher, jeune fille, sors de la voiture. Sors au nom de Jésus. Sors, mords-le. Sors, cours. Garde ton héritage pour toi. Le petit film que tu regardes, ça m'excite. Mais le prix que tu payes est trop cher. Si tu savais le prix, le problème dans la transaction, c'est que tu ne vois pas ce qui est pris dans ta vie. Et c'est comme ça que tu commences la vie avec beaucoup et tu finis la vie avec peu. Ouais. Et Abraham a vu que quand il a commis ça, Dieu lui-même a dit, à cause de toi, je vais bénir Ismaël aussi. Je prends une partie de ton héritage et je donne à Ismaël. Il a le droit à l'héritage. L'héritage a été partagé. Qu'est-ce que dans ta vie a été partagé? Je vois les gens spécialistes à participer au péché d'autrui. Deux personnes assises en train de critiquer quelqu'un qui n'est pas de votre rang, qui n'est pas de votre galon, et tu ouvres ta bouche toi aussi. Est-ce que tu étais là quand la chose est arrivée? Mais tu veux juste parler. Parce que tu as l'opinion. Regarde, quand tu vois des vidéos des gens qui partagent en ligne leur scandale, tiens-toi loin de ça. C'est une façon pour l'ennemi, de, tu vois, de façon nationale, là, de faire des soustractions dans les vies des gens. Si je savais ces choses, si je savais ce que je te prêche là, si tu savais, tu vois, c'est pour ça que quand Jésus a dit, on a amené la femme qu'on a attrapée en adultère, on voulait jeter la pierre, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Comment ils se sont retirés? Du plus âgé. Donc au plus tu as vécu, au plus il y a des soustractions. Mais le problème, c'est qu'on ne te révèle pas. C'est que plus tard dans ta vie, tu vois des manifestations. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais permettez-moi de donner l'exemple. Tu es parti. Tu as avorté, avorté, avorté. Tu peux être là, Dieu fait grâce, tu as enfant, mais l'enfant est têtu. Au nom de tous les autres que tu as supprimés. Ouais. Ce n'est pas parce que la société dit que c'est correct, que c'est acceptable devant Dieu. Les lois spirituelles ne changent pas. Et tant que nous prendrons le péché à la légère, nous n'allons pas posséder totalement notre héritage. L'héritage d'Abraham a été partagé. Qu'est-ce que l'ennemi détient légalement de toi, que toi-même, par une transaction, tu lui as donné? Ouais. Il est en train de te parler. David, dès qu'on dit David, tout le monde passe à qui? À Bathsheba. Ok. David est parti et puis il a vu Madame Bathsheba. Madame Bathsheba était en train, il a fait psst. David était très homme. Il a réagi. Il est parti avec Bathsheba, n'est-ce pas? Ok. Là, on va rentrer en eau profonde. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Pardon? Oh, l'enfant est mort, ça c'est même petit prix. Ce que ça lui a coûté, c'est que la paix dans sa famille a été enlevée. La famille qui était calme est devenue la famille de bataille et la famille de trouble. Parfois, tu as des parents qui se plaignent des enfants. Les enfants sont la manifestation de ce que nous avions fait, mais qu'on n'a jamais dit à personne. Et la trouble et le trouble et la guerre est entrée dans la famille de David. Au point où un jour, Absalom s'est élevé contre son père. Comment pouvait-il s'élever? Parce que David avait ouvert la porte, une transaction a été faite. L'ennemi a dit, non, la royauté, je ne peux pas toucher. Parce que légalement, le Christ doit descendre de lui. Donc je ne peux pas, Dieu avait mis un moratoire. Mais il dit, je peux quand même enlever la paix. Regarde le prix que David paye. Et quel est le prix que toi tu payes? Quel est le prix que tu payes? Fais ton péché en cachette, c'est toi. Les conséquences, c'est aussi toi. Quel est le prix que tu es en train de payer? Et tu vas toujours réaliser que quand quelque chose peut coûter 1 $, Satan le vendra toujours à 1 000 $. Absalom et Amnon. Absalom
va entendre qu'on a tué, sa sœur a été touchée. Amnon va toucher la sœur. Quelle était la conséquence de leur péché à tous les deux? Une vie courte. Est-ce que tu sais qu'il y a des péchés que tu commets que ta vie peut être écourtée? Tu sais, hein, tu es parti, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu dis, il n'y a rien qui m'est arrivé. Je n'ai pas de sida, je n'ai pas de si. Ok, mais qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Parce qu'il y a toujours... Regarde, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Peut-être que quand on t'a envoyé dans l'éternité, tu étais supposé vivre 100 ans. On vient, on enlève 25 ans. Donc, quand tu meurs à 75 ans là, en réalité, tu es mort avant ton temps. Et parce que tu es mort avant ton temps, tu n'as pas pu réaliser tous les desseins que Dieu avait pour toi. Mais parce que tu ne vois pas le prix, tu penses que c'est gratuit. Parce qu'on ne t'a pas attrapé en train de voler, tu penses que tu es malin, mais en réalité, ça coûte extrêmement cher. Voilà pourquoi pour expier le péché, ça a pris un sang qui coûtait aussi cher. Judas. Qui connaît Judas ici? Tu vois, ça c'est un prénom, si tu demandes à une sœur qui a accouché, donne le nom à l'enfant. On va dire non. Non, jamais, pasteur. Dis, donne le nom à Judas. Le Saint-Esprit me révèle. Appelle l'enfant Judas. Non, pasteur, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Judas a trahi Jésus, n'est-ce pas? Ok. Quel a été le prix qu'il a payé? Je vous montre ce que je vous dis dans la Bible. J'ai été au départ très lentement pour mettre mes bases. Maintenant, on est dans le laboratoire. Où, en examinant les personnages bibliques, chacun s'examine. Tu sais, il y a quelqu'un ici, là. Tu es là. Dieu t'a dit. Oui, tu as ton travail, n'abandonne pas ton travail. Sers-moi. Tu ne veux pas servir Dieu. C'est de la désobéissance. Le diable vient aussi, il supprime quelque chose dans ta vie. Ouais. Vous pensez quoi? Le péché, c'est juste la fornication? Non. Le péché de la désobéissance. La désobéissance a une instruction claire de la part de ton pasteur, claire de la part de Dieu. Tu ne veux pas obéir. Ça coûte. Et je vous dis, face à tout ça, je tremble. Je me pose la question, Seigneur, combien on m'a pris? Ce message, ce n'est pas à propos de toi. Enfin, c'est à propos de nous. Combien ça nous coûte? En réalité, ce que nous faisons à la légère, les clans, les groupes, hein, les réseaux souterrains, ça te coûte combien? Que chacun s'examine lui-même. Judas a trahi Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Ça lui a coûté quoi? Oh, on va aller doucement. Premier prix qu'il a payé. Numéro un, il a perdu la relation avec Jésus. Premier prix payé. Deuxième prix, il a perdu son apostolat. Troisième prix, ça lui a coûté sa vie. Il a fait une chose, ça lui a coûté trois choses. Vous pensez que c'est gratuit? Il faut que la lumière vienne sur nous. Il faut que la lumière vienne. Il faut que la lumière vienne. Il faut que la lumière vienne. Et frère, le fait qu'on ne t'a pas attrapé ne veut pas dire que c'est gratuit. C'est un mensonge de l'ennemi. Ouais. Maintenant, je vais aller avec un dernier. Pierre. Pierre a trahi Jésus, n'est-ce pas? Là, c'est mon interprétation de la chose. Hein? Pierre a trahi Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Tu es Pierre? Sur cette pierre, je bâtirai et donc je te donnerai les clés, n'est-ce pas? Donc Pierre était supposé être celui en fait qui allait faire des grandes choses pour le royaume, n'est-ce pas? Mais quand tu observes bien Pierre et tu compares avec l'apôtre Paul, si tu observes bien, tu vas te rendre compte que l'apôtre Paul est ce que Pierre aurait dû être. Parce qu'il a trahi. L'ennemi a dit, tu vois la position que tu t'es supposé avoir, tu n'auras pas. Dieu a dû maintenant intervenir, envoyer Paul. Et Paul est devenu ce que Pierre aurait dû être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ce que toi tu devrais être? Que chacun s'examine. Tu vas venir à l'église, c'est venu pour rencontrer Dieu et chacun maintenant s'examine intérieurement. Savoir combien d'années j'ai perdu à souffrir inutilement. La semaine prochaine, on va continuer ce message. Ça sera la partie 2 de comment récupérer ce que le diable
t'a volé. Parce qu'à la lumière de ce message, chacun peut s'examiner. Tu peux être là, tu dis, je ne dirai pas à ma femme, je ne dirai pas à mes enfants. La transaction est toujours là. Ouais. Jeunes gens, vous m'entendez aujourd'hui pendant que vous êtes jeunes. Vous m'entendez aujourd'hui pendant que vous avez encore tout votre héritage avec vous. Si on vous a volé, c'est des petites choses encore. Tu vois, tu n'as pas encore vécu longtemps. Tu vas voir que la vie est complexe. Garde-toi. 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 Sinon, tu vas avancer dans la vie et on a supprimé des années. Tu avances dans la vie, on a supprimé le nombre d'enfants que tu devais avoir. Tu avances dans la... Tu vois, ce genre de messages, Satan ne les aime pas parce que ça ouvre les yeux des gens. Que la lumière soit. Et la lumière est venue. Pas. C'est quand la lumière est venue, maintenant qu'on pouvait séparer les ténèbres de la lumière. Le roi dans sa beauté. Levons-nous dans la présence de Dieu. Veux-tu de majesté? La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Lève tes mains devant le Seigneur, car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. J'entends combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront. Exaltons le nom de Jésus. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien tout nom. Son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai. Combien Dieu est grand. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom. Pour la révélation, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Oh, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien.
que tout mon être alors se lève un chant. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Que tu es grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alléluia. Nos vies et nous allons dire Seigneur, que ta lumière vienne sur ma vie, que ta lumière vienne. Tu peux pas continuer à vendre ton héritage, tu peux pas continuer à le vendre en participant à des œuvres occultes. Ce matin, c'est le matin où la lumière doit rentrer. Parle au Seigneur là où tu es. Parle au Seigneur. Même vous les chantres, priez, priez. Chacun parle à Dieu. Ce message ne laisse personne indifférent. Il y a un prix que tu ignores, que tu es en train de payer. Et tu vas arriver dans l'éternité. Et Dieu te dira, je t'avais béni. Mais tu as comme le fils prodigue, tu as vendu ton héritage. Tu as vendu tes bénédictions. Tu as vendu ce qui était à toi. Qu'est-ce que tu as vendu? Aujourd'hui, demande à la lumière de Dieu de venir t'éclairer. À la lumière de Dieu de venir dans ta vie. Aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Éclaire-moi sur ma vie. Éclaire-moi pourquoi je suis un prince qui doit être à cheval et je suis à pied. Pourquoi ma vie tourne en rond. Que ta lumière puisse venir, Seigneur, sur ma vie. Que ta lumière puisse venir sur ma vie. Que ta lumière vienne sur ma vie. Tu vois, ce n'est pas un dimanche ordinaire comme tous les autres dimanches. Tu viens seulement, tu fais ta petite prière, tu pars. Là, la révélation de la parole est venue. Il y en a qui ont vendu leur héritage par l'impudicité. Il y en a qui ont vendu leur héritage par le mensonge. Il y en a qui ont vendu leur héritage par la rébellion. Il y en a qui ont vendu leur héritage, qui sont en train de vendre leur héritage parce qu'ils sont rebelles à la voix de Dieu dans leur vie. Il y en a qui vendent leur héritage parce qu'ils colportent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est. Quelle est la chose qui est en train de te miner, de t'empêcher d'avancer? Mais ce matin, il y a une révélation de Dieu qui est en train de te dire, laisse ma lumière rentrer, laisse ma lumière venir dans ta vie, laisse ma lumière te transformer. Personne ne peut rester indifférent. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Prenons un moment dans la présence de Dieu. Si ta vie est importante pour toi, prenons un moment. Dans la présence de Dieu, peut-être c'est un moment où tu es couché par terre parce que la lumière est venue tellement brutalement, tu te rends compte que tu as vendu 90% de ce qui est à toi. Peut-être la lumière est venue tellement brutalement, tu te rends compte qu'il ne te reste plus grand-chose. Peut-être que tu n'as pas perdu en termes d'avantages financiers, mais des années de ta vie ont été supprimées. Mais aujourd'hui, la lumière de la parole de Dieu vient.
Et cette lumière vient te croiser pour te dire que les péchés que tu commets ont un grand prix que tu es en train de payer. Comment peux-tu continuer à vivre dans le péché en disant qu'on ne m'a pas attrapé, on ne m'a pas vu, Dieu t'a vu, toi-même tu t'es vu, le diable t'a vu et le diable t'accuse auprès de Dieu. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Seigneur, fais tomber la conviction du péché sur nous. Fais tomber la conviction du péché sur nous. Fais tomber la conviction pour que nous ne prenions plus le péché à la légère, mais que nous comprenions qu'il y a un prix énorme que nous payons. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Fais grâce. Fais tomber la conviction du péché. Fais tomber la conviction du péché sur les hommes. Fais qu'on devait tomber la conviction du péché sur les femmes, la conviction du péché sur les jeunes, la conviction du péché sur les personnes âgées. La conviction du péché, c'est la conviction qui nous amène au changement. Nous avons besoin de toi. Vous n'êtes pas venir le dimanche faire semblant. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Peut-être que tu es là et tu réalises beaucoup de choses, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Juste lève tes mains et dis, papa, je suis là. Je suis là. Je ne savais pas que ça m'écoutait autant. Je ne savais pas que ça m'écoutait autant. Je ne savais pas que ça m'écoutait autant. Le péché a un prix très lourd qu'on paye. Tu ne peux pas pratiquer le péché et c'est gratuit. Non, ça a un prix. L'ennemi rentre dans ta vie, il enlève tes bénédictions. Il en rentre dans ta vie, il enlève ton héritage. Il enlève une partie, mais il ne te montre pas ce qu'il a enlevé. Chantons ensemble plus de toi, ensemble. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, la lumière d'Aha, la lumière d'Aha, la lumière de la révélation, du discernement, de la compréhension, de la sagesse. Oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Plus de toi, toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Avant de terminer ce service,
dans lequel on sent tangiblement la présence de Dieu. On sent la lumière de Dieu qui est venue. La semaine prochaine ne manque pas la deuxième partie. Mais je voudrais lancer l'appel à quelqu'un qui a besoin de faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. Si tu es là ce matin, je vais te demander rapidement de venir ici devant. Nous voulons prier avec toi. Et aujourd'hui, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais aussi lancer l'appel à quelqu'un qui a écouté ce message et tu te rends compte que tu t'es éloigné de Dieu. Je voudrais t'inviter ici rapidement devant. Nous voulons prier avec toi. Nous n'avons que environ 2 minutes que nous pouvons rester. Alors rapidement, s'il y a quelqu'un. Ce n'est pas le temps où tu regardes qu'est-ce que ton voisin fait. Ce message-là, moi-même je le prêche, moi-même je tremble. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit je veux de Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel? Si c'est ton cas, viens rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Une dernière fois. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour la bénédiction finale. Alléluia. Je vous rappelle, cette semaine, soyez fidèles dans les lignes de prière. Mardi 5h du matin, mardi 5h, 5h du matin, 20h, jeudi 5h du matin, 20h sur la ligne téléphonique. Si vous voulez avoir les coordonnées de la ligne téléphonique, juste communiquer avec notre service